balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde kola yo a sali sa yote bona kolia na yo moko babonde la yo bona nzoto na yo babo ya ele poko babonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne colère pas de ça, parce que c'est un logo yambo, ya fresh, ya bio, bio na bio, bio na bio, si on a mangé le poulet mon canja isali, par obi njomo yali, en Cuba paniwa, par obi njenge isali, ya komba kanga ya shembo to yambi sela, par obi niyamba ya bosu ya boko boso isaga ne, kala ngando ne kala ni na basi, oye tuke na sutu, isako dia na peti, kwa mama mande. Pour pas comprendre le thème, pas comme où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie, pas pour les radis, Coriana, appétit! Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver lundi, en début de la semaine, avec un nouveau numéro face à face. Je reçois quelqu'un de très pertinent, vous le saurez pourquoi. C'est d'abord un praticien, c'est un théoricien aussi. C'est quelqu'un qui a appris et la théorie et la pratique. C'est le point focal, sinon le regard personnel du président de la République dans le milieu sanitaire, pas seulement pour le Congo, parce que désormais, ça sera le point focal sanitaire sur le point de vue de l'Afrique, parce qu'il va accompagner le président de la République au niveau de la présidence de l'Union africaine. Il est conseiller spécial en matière de la couverture médicale, si vous voulez, en termes de la santé. Il est le coordonnateur de la Task Force. On parlera de ça. D'ailleurs, le président en a parlé aujourd'hui. Cette question de Covid, on en parle. On apprend qu'on ne saura pas maîtriser la vague qui arrive. Mais ce qu'il nous dit, non, c'est peut-être pas le contraire. C'est le contraire. C'est qu'on est bien armé. Eh bien, on en parle. Tout à l'heure, docteur Roger Kamba, comment allez-vous? Très bien, je vais très bien, merci beaucoup. Ça a toujours été pour moi un grand plaisir de vous recevoir parce que vous êtes d'une intelligence exceptionnelle et j'apprécie. Merci, merci beaucoup. Comment vous allez sinon? Oh, je vais très bien, merci. On dit que vous échouez dans votre politique de faire bien, dans votre politique sanitaire. Ça, vous ne maîtrisez pas le Congo, vous maîtrisez beaucoup plus le Canada, vous maîtrisez beaucoup plus la santé occidentale, mais apparemment ici, tout vous échappe. Ben, merci beaucoup. Je pense, je suis content aussi et toujours très fier de vous rencontrer, Christian. Merci. On dit c'est vraiment la chose qu'on voit au Congo. Ouais. On dit. Ouais, on dit. Ouais. On dit beaucoup, mais quand vous essayez de gratter un peu, vous vous rendez compte que c'est très superficiel. Parce que dans le domaine de la santé et la santé pour un pays, on parle des données. Il faut regarder les données. Quelles sont les données que nous avons et quelles sont les inputs qu'on avait et quels sont les résultats qu'on a obtenus. Mais les données, on les fabrique, docteur. Non, les données, on ne les fabrique pas, on les constate. D'accord. Vous constatez que vous êtes malade, vous constatez qu'il y a 5 personnes malades, vous constatez qu'il y a 2 personnes qui sont mortes. Ça, sont des données. Et on ne les fabrique pas, on les constate. Si la question que vous posez, c'est par rapport à la COVID-19... D'abord à tout le système médical. Alors, tout le système médical, ouais. Mais avec une pointe très importante au niveau de COVID-19, parce que ça révèle le système. Ouais. Ça révèle vraiment les failles du système. Je pense que dans notre dernière émission, on avait parlé de ce système et on avait montré les faiblesses du système. Et ces faiblesses-là sont encore plus pertinentes quand il faut répondre à une crise majeure comme une épidémie d'importance mondiale et qui touche tout le pays. Alors, on échoue, ça veut dire quoi? Parce que quand on regarde nos résultats, rappelez-vous que quand Covid a commencé, nous étions les premiers à dire « Ok, on fait le choix de soigner tout celui qui est positif, même s'il n'a pas de symptômes, on soigne avec le choix qu'on avait fait, la chloroquine et l'azithromycine. » On peut maintenant, avec le recul, voir les résultats. Mais avant que je vous donne les données, je vais vous donner un exemple patent de quelqu'un qui a fait l'inverse, c'est Madagascar. Oui. Madagascar a fait le choix, contrairement à nous, de ne pas prendre des décisions parce qu'ils avaient un traitement à base d'artémisia. Aujourd'hui, Madagascar a beaucoup plus de cas que nous. Nous, on est à 14 500. Après pratiquement 9 mois. Si vous comparez à d'autres pays, notamment les pays d'Europe, vous pouvez voir ce que ça représente. Mais on peut comparer aussi à des pays africains similaires. Nous avons parmi le nombre de cas
le moins important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en termes de décès, nous avons 350 décès après 9 mois. Vous pouvez imaginer le nombre d'essais qu'on a eu dans d'autres pays. Maintenant, en termes de morbidité, c'est-à-dire combien des gens sont malades, nos hôpitaux, malgré leur faiblesse, ne sont pas surchargés. Ça montre bien que les choix que nous avions faits au départ n'étaient pas si mauvais que ça. Ou ça montre tout simplement l'automédication, le recours à cette automédication, parce que les gens évitent les fatalismes que le système médical dit. Quand vous attrapez cette saloperie, excusez le terme, vous mourrez tout de suite. Et du coup, ça effraie tout le monde. On ne veut pas se présenter devant un médecin. On préfère prendre le Congo Bololo. On préfère recourir à des pratiques traditionnelles. Cette question est pertinente dans la mesure où elle pose la question de savoir est-ce que dans notre milieu, il y a des choses qui nous protègent autres que le traitement médical. Je suis persuadé qu'il y a des choses qui nous protègent. On peut comparer quand on prend les Africains qui sont en Europe, ils sont morts comme les Européens. Et vous prenez les Européens qui sont en Afrique, ils sont protégés comme les Africains. Donc dans notre environnement, il y a quelque chose qui nous protège. Très probablement des choses qu'on consomme, très probablement l'immunité collective, très probablement la pyramide d'âge, beaucoup de choses peuvent nous protéger. Mais on ne peut pas sérieusement dire c'est parce qu'on a fait telle chose qu'on a tel résultat. On peut dire si on fait, comme on dit au Congo, on dit que. Mais la réalité, c'est que nous constatons une différence de virus, de comportement du virus dans notre pays par rapport à d'autres pays. Mais c'est quoi notre protocole officiel? C'est lequel? Alors, notre protocole officiel n'a pas changé. Nous l'avons amélioré, mais n'a pas changé. Il est à base de chloroquine, azithromycine, vitamine C, du zinc, et puis on rajoute en fonction de l'état de la personne. Si la personne a besoin d'oxygène, on rajoute de l'oxygène. Si la personne a des maladies, ce qu'on appelle des thromboses, des caillots de sang, on ajoute un traitement pour éviter les caillots de sang. Et on utilise de plus en plus ce qu'on appelle les anti-inflammatoires à base de corticoïdes pour lutter contre l'inflammation systémique parce que c'est quand même une maladie du système. Donc, notre protocole, il est connu, il est simple, mais surtout, il n'est pas cher. Est-ce qu'il est gratuit? Il est gratuit. Les patients le prennent gratuitement. Alors, il est censé être gratuit. Et là, ça me donne l'opportunité de rappeler qu'il y a beaucoup d'abus dans notre pays. Ouais. Il y a des cliniques qui font payer les malades Covid et font payer cher. Beaucoup, oui. Il y a même des cliniques où on m'a dit que quand vous vous présentez, on vous demande une caution de 6 à 9 000 dollars. Je vous rappelle que dans aucun pays au monde, quelqu'un peut sortir 6 000 dollars, 9 000 dollars pour payer les soins. Aux États-Unis, en Europe, au Japon, personne. Parce que personne n'a assez d'argent pour se présenter quand il est malade et payer. Alors, c'est complètement aberrant que dans notre pays, à nous, on demande. Le choix que le président de la République a fait, c'est que les soins de coronavirus sont gratuits. Mais est-ce que, docteur, il y a une question assez importante sur la question. Lorsque les gens tombent malades, à partir de quel moment vous savez, vous remplissez vos données en disant, bon, d'accord, il y a des gens qui sont malades. Mais alors, ceux qui sont malades et qui ne se présentent pas devant un médecin, mais ils restent comme ça dans la nature, et comme je l'ai dit, ils recourent aux pratiques traditionnelles. Comment vous saurez? Comment vous serez répertorié? Et si on avait beaucoup plus de cas que Madagascar, mais des cas non signalés? Alors, deux réponses à ça. La première réponse, c'est que quand vous regardez le début de l'épidémie dans notre pays, on avait un taux de mortalité très élevé. On est arrivé à 12%. C'est-à-dire que 100 personnes sont contaminées, 12 meurent. Est-ce qu'on mourait aussi de corona? C'est ça aussi. Non, c'était corona. Les gens, je parle de corona. Sur la question. Oui, mais les achats des morts, les achats des cadavres, ainsi de suite. Vous l'avez certainement suivi, ces scandales. Et on en avait parlé lors de la première émission. Mais je reviens d'abord au taux de mortalité. Et ce taux de mortalité est ramené aujourd'hui à 2%. D'accord. Ça montre bien qu'il s'est passé quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant, les gens n'allaient pas à l'hôpital. Les gens avaient vraiment peur d'y aller. Ce qui fait que quelqu'un qui avait besoin d'oxygène, et l'oxygène, vous ne pouvez pas apprendre ça à la maison, mais il mourait parce que tout simplement, il a eu peur d'aller à l'hôpital. On a dit aux gens, corona, ce n'est pas une maladie honteuse. Et il n'y a pas quelque part des gourous qui vous attendent pour vous tuer. Au contraire, si vous avez besoin d'oxygène, c'est tellement bête de rester chez soi et de mourir pour de l'oxygène qu'on peut vous donner et qu'on vous donne gratuitement. Donc ça montre que quand on agit, on change les choses. Et là, on était à 12%. Et on a amélioré le traitement, parce qu'avant, même la chloroquine, on ne l'avait pas, rappelez-vous. On a amélioré les protocoles. Avant, on mettait des gens sous machine et on s'est rendu compte que ce n'était pas une très bonne idée. Et on a amélioré la rapidité d'intervention. On est passé de 12 à 2%.
Donc, on ne peut pas dire que c'est en restant chez soi qu'on améliore les choses. Maintenant, je finis la question. Maintenant, 80% des gens qui sont contaminés évoluent spontanément correctement. Oui. 80%. Ça, vous l'avez aussi dit lors de la première émission, oui. qu'on allait battre cette histoire de façon naturelle aussi. Bien sûr, parce que les gens qui restent à la maison et qui font partie de ces 80%, ils vont guérir. Et ça, on n'a jamais dit aux gens, si vous restez à la maison, vous mourrez. Nous disons, quand vous ne vous sentez pas bien, ne restez pas chez vous. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de simple à faire. Si vous avez une maladie, des caillots sanguins, et vous décidez, non, moi je reste à la maison parce que j'ai peur des hôpitaux. Mais vous allez mourir. Et pourtant, il y a des médicaments, on vous donne, le sang devient plus fluide et vous n'avez plus de caillots. Donc moi, je conseille aux gens, d'une part, de rester calme, mais d'autre part, de ne pas attendre que ça aille mal. Mais qu'est-ce que vous avez fait personnellement, docteur? Est-ce que vous avez changé la communication? Parce qu'il faut le dire, ça ne fait plus peur comme avant. De ce côté-là, on se pose la question, quelle est la magie que vous avez mise en place? On a senti que la communication a catégoriquement changé. Ce n'est plus vous attrapez, vous mourrez, c'est plutôt une autre approche. Est-ce que c'est vous qui l'avez étudié ou c'est nous qui avons finalement développé cette immunité collective en termes de la communication? Alors, j'ai fini la première question que vous aviez posée et puis je vais arriver. Vous m'avez demandé si les gens ne mourraient pas sans qu'on le sache. À la task force, quelque chose qu'on a fait, moi j'avais demandé à mes équipes d'aller cimetière par cimetière, morgue par morgue et compter. Vous avez fait ça? Oui, on a fait ça. Pour tout le Congo ou pour Kinshasa? Non, pour Kinshasa. Parce que le pissant, c'était vraiment Kinshasa. Okay. Et on a regardé le mois de janvier, février, mars, avril, mai de cette année et on a comparé à l'année dernière, janvier, février, mars, avril, mai 2019. Parce qu'on s'est dit, effectivement, il est possible que des gens meurent sans qu'on se rende compte. Exact. Il est possible qu'il y ait une maladie qui est diffuse dans la société sans qu'on se rende compte. Mais au Congo, on n'incinère pas les gens, on enterre toujours, on ne cache pas les cadavres parce que les familles se réunissent toujours. Donc, en regardant les cimetières, en regardant les morgues, en comptant, on peut savoir s'il y a une différence entre cette année et l'année dernière. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, on a remarqué qu'en janvier 2020, il y a eu plus de cas de morts qu'en janvier 2019. D'accord. En janvier, on ne parle pas encore de corona, là. Et puis, il y a eu un petit rebond au mois de mai. Mais sinon, il n'y a pas de différence fondamentale entre 2020 et 2019. Et donc, ça correspond un peu aux 350 morts qui sont comptabilisés par la riposte. Donc, on n'est pas dans une maladie qui a changé fondamentalement le nombre de morts quand on se compare. Alors, cette étude est en train d'être maintenant étendue au niveau de toute la République, grâce maintenant à des gens qui nous ont suivis, notamment l'UNICEF, qui a vu la pertinence de notre étude et qui a dit, OK, maintenant, on va aller voir à Lubumbashi, on va aller voir à Goma, on va voir partout la mortalité cachée, celle qu'on n'a pas comptabilisée parce qu'on n'a pas fait assez de tests, parce qu'on n'a pas fait assez de diagnostics, eh bien, on va aller la chercher. Donc, c'est ça qu'on a fait. Maintenant, pour revenir à votre deuxième question, est-ce qu'on a changé quelque chose? Oui. Ce n'est pas nous qui avons changé, c'est la maladie qui nous a appris beaucoup de choses. Oui. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris qu'il ne faut pas hospitaliser tout le monde. Nous avons appris que en détectant très rapidement, par exemple, la baisse d'oxygène, juste avec un petit appareil qu'on met au niveau du doigt, eh bien, en intervenant rapidement, eh bien, on soigne les gens. Nous avons appris qu'il ne faut pas mettre les gens sous respirateur rapidement, parce que le respirateur aggrave la situation. Nous avons appris que la maladie qui était considérée seulement comme pulmonaire est aussi aujourd'hui une maladie généralisée. Comme je vous ai dit, il y a des caillots sanguins, il y a des atteintes de la peau, il y a beaucoup de choses. Nous avons appris qu'il y a des atteintes du cerveau. On a appris beaucoup de choses, donc nous avons aussi adapté notre façon d'en parler. Ce qui fait que les gens se sont rendus compte que ben, finalement, ce n'est pas une maladie qui vous tue d'emblée, si vous réagissez correctement. Mais alors, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, toujours dans cette histoire de corona, mais une question de curiosité. Que dites-vous à tous ceux qui pensent qu'il s'agit là d'un véritable complot international, que ça n'a rien à voir, ce n'est qu'une fièvre, comme toutes les autres fièvres, et que si on s'en passait, ça passerait aussi? Est-ce que, et parce que là, les gens fondent leur argumentaire en se disant, mais pourquoi ça ne se passe pas dans les villages? Même en France, même aux États-Unis, vous allez vous rendre compte qu'il y a seulement un coin où c'est beaucoup médiatisé, où on en parle. Dites-nous, je veux dire, la bonne version. Est-ce que cette maladie existe vraiment? Ou il s'agit là d'un complot international? Alors, pour vendre les vaccins? Alors, c'est une bonne question parce qu'elle va répondre à deux choses. Oui. Premièrement, à la théorie du complot. Oui. Et deuxièmement, pourquoi les villages sont moins atteints? Exact. Bien. Par rapport à la théorie du complot, vous savez, à chaque fois qu'un phénomène bizarre arrive,
La première chose, on se dit, est-ce qu'il est naturel ou il n'est pas naturel? C'est ça la question, en fait. Je me demande, les gens qui décideraient de faire mourir des citoyens, c'est quoi leur intérêt? L'argent, on dit ça. Ok, l'argent. Deuxièmement, les gens qui décideraient de faire mourir plus les Occidentaux que les Africains. Parce que dans cette affaire, je vous dis que nous, on a 350 morts. Les États-Unis, vous savez qu'ils sont déjà plus de 200 000 morts. La France a déjà dépassé les 40 ou 50 000 morts. Ouais. Nous, on est à 350. Donc, ce complot-là ne serait pas tourné contre nous quand on regarde le nombre de morts. Ouais. Bon. Maintenant, nous sommes dans des grands pays occidentaux où on a des systèmes de contrôle très importants, où on a la police très importante, on a des services de renseignement très importants. On a... Pour faire un complot contre tout ça, il faut être vraiment une force encore peut-être divine, je n'en sais rien. Parce que Donald Trump a parlé de Corona Chine, vous l'avez certainement entendu. Ouais. Et puis il a porté des masques. Chine, oui. Et puis il a porté des masques. Okay. Et puis il a pris, il nous a tous dit qu'il a pris de la chloroquine sans que les gens le sachent. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne référence. D'accord. Donc, je ne crois pas qu'une théorie et un complot... Regardez les gens qui meurent. Parmi les grands patrons des grandes sociétés, ils sont aussi touchés, ils meurent aussi. Oui. Alors, qui est en train de faire ce complot et qui, lui, est protégé? Donc, j'ai du mal à croire à une grosse théorie de complot. Alors, est-ce que la maladie existe? Ben oui. On a des gens qui sont morts chez nous. Mais pourquoi les villages sont... J'ai dit que c'était la deuxième question que je veux répondre. Nous avons tous, chacun, dans notre famille, quelqu'un qu'on a appris, celui-là, il est mort. Vous savez combien de professeurs d'université sont morts 40, à Kinshasa? Plus de 40 à Kinshasa. À l'Unikin seulement. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont morts de quelque chose qui n'existe pas? Nous avons, dans la riposte, dans l'équipe de riposte, perdu le professeur Kayembe il n'y a pas très longtemps. Ouais. Alors, est-ce que la maladie n'existe pas? La maladie, elle existe bel et bien. La seule chose, c'est que, comme elle a touché d'abord les Occidentaux, comme elle a été très médiatisée, c'est pour cela qu'elle a pris une ampleur que maintenant, on se dit, c'est pas possible. Mais nous, en Afrique, on meurt des maladies de manière très importante. Ouais. On n'en parle pas. La rougeole ici a tué beaucoup plus que le corona. On n'en parle pas. Donc, quand ça touche les Occidentaux, alors c'est un complot. Quand ça nous touche nous, ce ne serait pas un complot? Non, je ne crois pas du tout. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que les villages sont moins touchés? Ouais. Alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, ça explique même pourquoi nous n'avons pas beaucoup de cas. Les Africains vivent à l'extérieur. Nous rentrons dans nos maisons juste pour dormir. Exactement. Or, il n'y a pas de concentration de virus en train de se promener dans l'air. Ouais. C'est vraiment les contacts qui font qu'on peut attraper. Ce qui fait qu'il y a très peu de quantité de virus dans l'air en train de se promener. Et donc, voilà pourquoi est-ce que déjà, les gens qui vivent à l'extérieur sont moins contaminés que les gens qui vivent à l'intérieur. À l'intérieur. Maintenant, regardez nos villages. Premièrement, il y a très peu de communication avec les villes. Nous, notre maladie, elle est venue de l'extérieur. Hein. Ouais. Vous vous rappelez qu'on disait que c'était la maladie de Gombe, la maladie des riches, parce que les gens arrivaient de l'Europe. Mais dans nos villages, combien de gens voyagent vers les villages? Les villageois, ils sont souvent entre eux. De temps en temps, ils viennent vendre. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de temps d'être contaminés. Et comme en plus, ils vivent à l'extérieur, le taux de contamination est très faible. Donc, il y a deux facteurs qui expliquent pourquoi les villages sont moins touchés. C'est que premièrement, il y a moins d'échanges. Deuxièmement, ce sont des gens qui vivent à l'extérieur. Alors, docteur, avant de finir la question du Covid, parce qu'il y en a, il faut le dire que le chef de l'État, comme on dit en Galabet, le Rotolo, Mwamingi, Kamboutali, Corona, tout ça, à un moment donné, on avait envie d'avoir la même foi que lui. Mais dites-nous, est-ce que ce n'est pas une affaire d'argent aussi au Congo maintenant? Parce que avec les groupes, je ne vais pas dire le GoPass, mais les vaccins que l'on fait payer, par exemple, à Mbandaka, où il n'y a pas de l'INRB là-bas, on ne fait pas un test là à Mbandaka pour venir, par exemple, d'ici, à Abuja, là, à Ikengeleke, à Ngandajika, à Mbujimayi, là où il n'y a pas de l'INRB, pourquoi on oblige un test là? Alors, pour ceux qui quittent là-bas pour venir à Kinshasa. Alors, c'est une très bonne question parce que c'est une vraie discussion qu'on a quand on parle de cette affaire-là. D'abord, je prends les voyageurs qui viennent de l'étranger vers le Congo. Notre responsabilité en tant qu'État, c'est de protéger notre population. Comme notre maladie vient de l'extérieur, l'idée c'est de dire il ne faut pas qu'on reçoive de plus en plus de malades qui viennent de l'extérieur. Deuxièmement, le virus change. Le virus qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas celui génétiquement parlant qu'on avait au départ. On dit que le virus fait une mutation.
Quand vous avez une mutation, elle peut être moins importante en termes de gravité ou plus importante. Ça, vous ne le savez pas à l'avance. C'est après que vous vous rendez compte. Or, le virus qui se promène maintenant en Occident, c'est une mutation qui vient de l'Espagne. Donc, on s'est dit, essayons d'éviter que ces virus arrivent chez nous. Or, nous, nous rendons compte que nos frères qui viennent de l'extérieur, beaucoup, en tout cas, dans certains pays, on a même démantelé des réseaux de faussaires qui viennent avec des tests qui ont été... En tout cas, ce n'est pas nous qui avons démantelé, c'est les services belges et les services français. Donc, ça montre bien que nous devons être plus prudents ici. Donc, sur le plan de la logique, on peut comprendre que nous testions les gens qui arrivent. Maintenant, sur le plan de l'épidémiologie, on ne doit pas tester tout le temps les gens qui arrivent. On doit tester au début de l'épidémie, comme maintenant, au début de la deuxième vague. Parce que dès lors que le virus est entré, eh bien maintenant, c'est plus la diffusion au niveau de la communauté qui est plus importante. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudra pas que les tests qu'on fait à l'aéroport soient des tests qui restent de façon définitive, parce que ça n'aura plus de sens sur le plan épidémiologique. Maintenant, à l'intérieur du pays, c'est vraiment un débat. L'idée au départ, c'était de protéger nos villages, justement, contre les gens qui viendraient des épicentres, donc de Kinshasa vers Lubumbashi et les autres. Voilà. Et puis, la deuxième chose, c'était de protéger les gens qui vivent le long de frontières. Goma, par exemple, par rapport à la frontière de l'Est, la Zambie par rapport au Sud-Est. Centrafrique, et là, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais ça reste une vraie question de savoir, est-ce qu'on doit tester à l'intérieur du pays les gens ? Mais en attendant, on paye. Les gens sont en train de payer. Ah, je peux vous dire que personnellement, je suis parmi les gens qui disent que ça n'a pas énormément d'impact au niveau épidémiologique, de tester les gens qui viennent des centres moins touchés vers les centres plus touchés, mais l'inverse, oui. Bah, le docteur Mouyembe ne vous aimera pas beaucoup sur la question. Mais, en fait, c'est une question de science, ce n'est pas une question de je veux ou je ne veux pas. Quand quelqu'un quitte une zone où il n'y a pas, il vient dans une zone où il y a, on protège qui ? C'est celui qui quitte une zone où il y a, zone où il n'y a pas, qu'on doit protéger. Donc, c'est une décision qui n'est pas tranchée de mon point de vue et qui ne devrait pas l'être sur une décision. Très bien. Alors, docteur, est-ce que vous parlez Lingala aussi, non ? Oui, Nalbara Lingala. On peut s'exercer à Lingala. Oui, tout le monde. Mais Nalbara Lingala. Docteur, Mituna est belé. Et nous, tu te dis, il y a des gens qui sont en train de se faire. Pour na Congo, ba kufa katoe bakate, nombre na bango bakufa to a mortalité to ebite, to a natalité to ebite. Si ko bato balobi, lokolo za na conseil spécial la makambo santé pa président. Ya lobi le peuple d'abord. Mukolo nini to koyeba exactement taux de mortalité za na niveau nini, taux de natalité za na niveau nini. Ah oui, mais là je pense que les gens ont tort parce que tout ça c'est connu. Tous les scientifiques, parce que tout la mortalité est alinane. Et tali muto yo azo tanga po ay ba ceux qui ba to azo fa boni poto zo décision nini. Mais bah, toi, on a les abanais, bah, épidémiologistes, bah, ministère de la Santé, tous ceux qui s'intéressent. Mais, par rapport à Namosa, tout le monde a un rapport à Namoté. Oui, mais non, on a rapport à Namoté. Oh, mais est-ce que Oyebi, rapport à douane Bilogo, quand tu as Oyebi, Ango Non, rapport à douane, tu as tout le monde. Voilà, rapport au milieu médical, bon, tout n'a pas, bon, quoi, non, ça existe. Là, vraiment, on a les données. Ok, donc, par exemple, on peut se faire donner, on a Oyebi, on a Ango. Mais bien sûr que j'ai ça. Surtout que moi, je suis conseiller spécial en charge de couverture santé universelle. Ouais. Donc, il faut d'abord que ça m'accompagne à la santé. Donc, on a Yébi Badoné. Je vais vous donner un exemple. Dans notre pays, 80% de nos mamans accouchent dans les hôpitaux ou dans un centre. Sur le Kenya, l'Afrique, c'est peut-être dans les 40 à 50%. Donc, ma maman a vu ça, Bakenda Obota, dans les hôpitaux. Les Sika sont installés. Mais quand vous regardez le taux de mortalité, il y a Bissot, il y a Bamaman à Bissot, et les qui, il y a Afrique. Pour Ani, parce que le système est à Mabé. Ok, Kuna Pogenda Obota, Okuti, médecin à Zabiente, et si Kakobote est à Zabiente, qui c'est Ezate, moyen échographie Ezate. Finalement, ça montre juste que le système n'est pas capable de prendre en charge correctement. Mais ça, ce sont des données que nous avons. Mais ça fait 2 ans que Yosap Menya président de la République. Nous avons changé le coin. 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 Je vais te donner un exemple parfait. Très bien.
C'est ça qui n'a Ebola et à Kivu. Taux de mortalité, 70%. Donc, sur 10 bateaux, il y a Ebola à Kivu, 7 Bakoufi. Il y a Ebola à Équateur. Taux de mortalité, 40%. Donc, il y a un taux de 70 à 40. Il y a un taux de 40. C'est parce que nous avons amélioré la prise en charge. C'est parce que nous avons amélioré les soins. Mais ça, ce sont des données. Je viens de donner deux exemples pour nous dire que nous sommes en train de travailler. Ebola, c'est vraiment la preuve que quand nous voulons faire, nous faisons. Ebola et Ali Bosso et Zaraki, ça a duré plus de presque un an et demi, deux ans. Au Équateur, il y a juin ici et ici. Donc, on fait des choses. Sauf ouais, que on a ça... appuyé à Libanda. Mais au Yali Bosso, est-ce que vous savez combien ça coûtait l'Ebola du Kivu? Je vais vous donner le montant. Combien? $1 milliard. Ça coûtait à notre pays? Non, tout l'argent dépensé. Ah, d'accord. $1 milliard. Ça veut dire que au Yali Bosso, appuyé à Libanda, ils coûtent mingi collègues. Mais au Yassigo, on n'a pas eu. Est-ce que vous savez combien ça coûtait? Non, non. $40 millions. Seulement, on va dire. Par rapport... Et on a arrêté ça en 6 mois. Donc, on fait des choses. Ce n'est pas que Tolongi et Logomoroté. Aujourd'hui, le monde entier est frappé par Covid. Vous voyez quand même que depuis mars, tout ça, il y a Covid. Depuis mars. Et le système de santé a été beaucoup affaibli parce que Mbongozo Kenda a Covid. Malheureusement. Mais en ce moment-là, c'est difficile. Par exemple, nous avons vu que paludisme, Batobakoufi est belé. Rougeole, Batobakoufi est belé. Pourquoi? Parce que Totie Mbongo a Covid. Parce que Covid, Penza. Et Penza Gibiso Makila, mais bon, maintenant je pense que on peut maintenant faire les tout en même temps. Alors, tu as une question moins embarrassante, ok? Moi, j'ai pas de question embarrassante. Très bien. Que devient le docteur Jérôme Munyangi? Alors, ça c'était un cas intéressant parce que docteur Jérôme Munyangi, honnêtement, c'est moi qui l'ai fait venir. Oui, on le sait, on le sait. Je l'ai fait venir parce que on faisait venir les chercheurs. Parce que tous les Congolais nous disent, tous les Congo Bololo, tous les Babilo Konabiso, mais nous, Artemisia, tous les en tout cas, Babilo Kébélé Bélé. Mais nous, en tant que décideurs, Toko Lobarate, que population beauté, les Mambo Mandamele, le Koboy. Ceux qui m'ont dit, Bissibiso, Ngaï Naïbi Kosala Oyo. On lui dit, viens, moi le président de la République m'a dit, essaie de voir si on peut avoir des solutions locales. Est-ce que Nababilo Konabiso, est-ce que Toki Kozoa ba solution Nabisolo? Il le dit d'ailleurs dans beaucoup de discours. Hein. Il dit qu'il faut que nous, Africains, on puisse trouver des solutions locales. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit tout chercheur qui pense qu'il a une solution, aya. Les autres étaient au pays, Munyangi était à l'extérieur. Et donc, moi, j'ai dit au chef de l'État, ben, il dit qu'il sait faire. Le chef de l'État m'a dit, bon, s'il dit qu'il sait faire, aya, comme ça là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé au sein du ministère de la recherche scientifique ce qu'on appelle un pool scientifique. Parce que nous, on est des politiques, ce n'est pas à nous de décider recherche aux Abiens ou aux Amabé. Quand quelqu'un dit je sais faire, on dit ok, il y a Kassikoyo, Fandana Baninga Yoba scientifique, la Kisa Bango, que eux valident. Ce n'est pas à nous de valider, ce n'est pas moi, le docteur Kamba, conseiller du chef, qui valide aux Abiens ou aux Abientés. Donc, on fait venir les gens, on leur donne l'occasion de présenter ce qu'ils savent faire. Donc, c'est comme ça qu'on a fait venir Munyangi, c'est comme ça que docteur professeur Ekwala Ngawine de Lubumbashi, c'est comme ça qu'on est entré en contact avec tous les autres chercheurs qui ont proposé des choses. Donc, docteur Munyangi, qui est mon côté? Bayaki Batumsu, Bayaki. Ah oui. Lubumbashi pour lobby. Ah bah oui. Ok, d'accord. Ah bah oui. C'était pas docteur Munyangi, c'était, j'ai dit qu'on a fait un pool scientifique au niveau du ministère de la Recherche. Exact. Ndetotini bangonyoso na munyangi na bangonyoso tout bokenda kuna que eux valident vos protocoles. Ce qui va valider votre protocole na bino en ce moment-là, ils vous donnent l'autorisation d'aller faire maintenant les essais cliniques. Parce que bokenda kutia batonda ba essayé sans que total makambo ça là. Donc c'est là que les choses ont été orientées. La task force n'est pas là pour dire toi fais, toi ne fais pas. La task force est là pour dire voici le cadre dans lequel vous devez travailler. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au ministère de la Recherche de mettre le pool scientifique, on a demandé au ministère de la Santé de valider les produits qui ont été testés. Mais alors? Maintenant, je reviens à la question du docteur Munyangi, il est venu, on l'a orienté dans ce circuit-là. Et dès lors qu'il est dans ce circuit-là, ce n'est plus à nous de décider, c'est aux scientifiques de décider si ce qu'il fait est bon
ou pas bon. Mais ce que je sache, son protocole était entré, le pool scientifique lui a demandé de ramener un protocole amélioré, de modifier des choses. Et je crois savoir, parce que je posais la question au pool scientifique, qu'il n'a pas ramené le protocole amélioré. Mais il ne dit pas ça à lui. Mais moi, je vous dis, c'est que vous avez le pool... Voici avez... ce qu'il dit, par exemple. Attendez, avant que vous me disiez ce qu'il dit, mais je vous dis, il y a un ministère de la recherche scientifique. Oui. Donc, il vous suffit, en tant que journaliste, d'aller là-bas, de demander, est-ce que vous avez reçu des protocoles, ou est-ce que les gens en sont, en termes de, d'évolution de leur protocole. Mais lors d'un point de presse, oui. Docteur Munyangi, à l'Obiboué, dans le Bonga Lingala, à l'Obiboué, pool scientifique va bloquer l'initiative des chercheurs. Et il y a depuis à Aona Kinshasa, à comment le rôle a objet à la jalousie pour nous battre belé balingué sous tête obité na battre on se qui pose la carte mais au moins battre nionso baling battre pas que lingué mingité pour azana makoké aussi le corona mais bino ne peut pas passer occasion de ça quand je dis bino ça veut dire le pool scientifique alors yo en tant que spécialiste sinon expert na patron tout bas domaine voilà mais qu'a expliquer biso baboeli docteur Munyangi ya sala musala na ye topé zali que yéné docteur Munyangi qui peut prouver pool scientifique té na ba donné na ye alors Nganako zala contre-yété parce que nous mis. C'est moi qui ai dit au chef de l'État, Tomé Maïe. Le chef de l'État m'a dit organise. Donc c'est moi qui ai organisé. À Komiya, c'est moi qui l'ai amené chez le chef de l'État. À Komiya, pas le chef de l'État, c'est à moi que le chef de l'État a donné les instructions pour aller pour Assa Moussanaï. Donc c'est pas moi. Okay. Parce que Nganako m'a mis. Et Mouniangi ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Donc je n'avais pas d'intérêt ou pas d'intérêt. Donc je l'ai fait venir sur base des informations qui m'ont été transmises en me disant il a une solution pour Covid, qui était déjà préparé pour le paludisme, la malaria, mais on peut l'adapter au Covid. Moi, j'ai dit au chef de l'État, est-ce que vous m'autorisez, le chef de l'État m'a autorisé. Donc, ce n'est pas moi qui peux être contre lui, parce que c'est moi qui l'ai fait venir. Maintenant, moi, je reste scientifique, même si je suis conseiller du chef de l'État. Je reste rigoureux. Quand je pose la question au pôle scientifique, il me montre, le pôle scientifique me montre, voici le protocole. Voici les failles de ce protocole. Nous attendons qu'il améliore ces failles et qu'il ramène ça. Maintenant, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on ne lui a pas donné des malades pour tester. Mais on ne donne pas des malades. On ne donne pas des malades. Mais comment on fait de la recherche dans un cadre. Ce n'est pas que moi, docteur Kamba, j'ai ma solution, donnez-moi des malades, je vais vous prouver. Non. Bon, vous allez vous prouver et c'est l'imabé. Ah, vous avez un vaccin. Vous avez un vaccin pour lui. Parce que vous dites, il peut y avoir des risques. Mais il faut que des scientifiques sérieux regardent, est-ce que le risque est allé ou bien athées. Et ça, c'est un protocole. Vous ne pouvez pas dire, voilà, Bopé Sangakaka, je vais vous prouver. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, en clair, docteur, vous avez appelé ça un bateau, à qui vous vaccinez, vous avez vacciné, en attendant, vous aussi un ou pas. Moi, j'ai réfléchi en termes de dire, voilà, est-ce que tu as le pool scientifique? Oui. Est-ce que ce pool scientifique dépend du ministère de la Santé? Non. Il dépend du ministère de la Recherche scientifique. Docteur Mouyembe, parce que j'ai entendu dire que Bazo bloqué par les vieux, tout ça. Docteur Mouyembe relève du ministère de la Santé. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui peut bloquer parce que lui, il est au ministère de la Santé. Le pôle scientifique est au ministère de la Recherche scientifique. Et au niveau du ministère de la Santé, il y a maintenant le comité d'éthique. Ce qui est aussi ici, bah, science, bah, ebisio, salaboye, salaboye, salaboye. Le comité d'éthique, si vous là, qui s'y engote au copé sa moutou, est-ce que moutou a protégé? Est-ce que moutou a ce qui est fait secondaire et est-ce qu'il y a une assurance? Est-ce que... Donc ça, c'est le comité d'éthique. Il faut passer par ce canal-là. On ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas dire « Bopé Sakaka ». Non. Non. Autant, je vous assure que moi, je serais content si on avait une solution pour Covid et SIL. Le président de la République serait très content si on pouvait Covid et SIL parce que je vous dis que ça nous prend beaucoup d'argent au lieu de se tenir les chefs de santé. Mais selon les nouvelles que nous avons, c'est lui qui aurait terminé cette histoire de Madagascar. Il serait le parrain, sinon le père, sinon un... Non, alors là, je vous arrête tout de suite. Oui. Ça, c'est faux, par contre. Comment ça, c'est faux, docteur? Ah, ben ça, c'est faux. Ben, c'est lui... De... Je viens de vous dire au tout début que Madagascar a plus de cas que nous. Ok. Je vous l'ai dit ça au début, non? Mais qui suis-je en arte? Non, mais Yoga Nante, Naliboso, Nalibisio, que... Madagascar a pensé qu'il y a Artemisia en disant, bon, continuez, bon, classe est continuée, tout ça, premier anangote, bon, kendakuna. Mais Madagascar, quand ils ont fait ça, ils avaient 70 ou 80 malades. Après, il y a que Beta Bango, nous on est à 14 500, Madagascar, il y a comme 17 000, je pense. Donc, moi, je dis que Artemisia, il n'y a pas de rien.
Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'il a terminé quelque chose à Madagascar, alors que Madagascar est l'équipe Bissokoutou dans la maladie. Est-ce que Artemis IA est un remède à coronavirus? Non. Elle a un remède à coronavirus. Je répète quand même rapidement l'histoire. Okay. L'Artemisia a été découverte dans les années 70 par des Chinois. Et il y a une femme chinoise qui est prix Nobel de médecine parce qu'elle a découvert l'Artemisia. Donc, c'est un docteur Jérôme T. Mais non. Okay. Il y a un Nobel de médecine chinois. C'est une dame qui a découvert l'Artemisia. De cette Artemisia, on a découvert des propriétés qui permettent de soigner la malaria. Mm. Et on a fait un médicament qui s'appelle l'artémisinine, au moins que c'est une artémisia. Et ce médicament-là, nous le consommons ici tous les jours. Maintenant, quand il y a malaria, il y a malaria, mais la carte est une artémisia. Donc, ce n'est pas un chercheur congolais qui a découvert l'artémisia. L'artémisia est découverte depuis plus de 2000 ans. Mais ses propriétés scientifiques et médicales, en tout cas, il y a un prix Nobel, une chinoise, qui a découvert ça dans les années 70. Ce que le docteur Munyangi avait fait, et j'avais trouvé ça très intéressant, c'était, est-ce qu'on peut faire la prévention? Il y a malaria en prenant l'artémisia. C'est ça la recherche qu'il faisait à l'Est. Donc, il s'était rendu compte qu'en donnant de la tisane d'artémisia aux élèves, le taux de paludisme diminuait, le taux de malaria diminuait. Et donc, il a fait ces études-là, il a montré effectivement que c'était possible. Et il a vu que l'artémisia pouvait agir sur d'autres maladies, comme la bilharziose, par exemple. Et donc, c'était sa recherche. Maintenant, les Kakindengeni, les Kotakindengeni, tout ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est retrouvé en Europe. Et en Europe, en travaillant, leur corona est bandit en janvier, février, Bango Sikoyo, ils ont extrapolé en disant, propriété tozo mona oyo, et ko salisape, corona. Ben, lui extrapolé. Mais le docteur Munyangi et les gens avec lesquels il travaillait. C'est là qu'il prend des initiatives pour dire Artemisia et Costa dans la Corona. Et donc, c'est comme ça qu'il est arrivé ici. Alors, moi, je suis parti avec Dr. Jérôme Munyangi à Brazza. Moi, je suis parti avec lui pour aller voir. Kotala, qui se yaba malgache, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Parce que tu es évacué et le connu dans la carte. Quand je suis parti là-bas, je suis parti au laboratoire et ils m'ont montré les études qu'ils ont faites. Là-dedans, il n'y a que de l'artémisia. Et ça, l'artémisia, il y a pour améliorer le goût. Mais n'ont rien mis. Donc, c'était de l'artémisia. C'est que l'artémisia, on a battu, on a Madagascar, et ils ont eu plus de cas que nous. Donc, tout le monde a que l'artémisia, il y a qui, il y a la corona. Alors, au Balobi, vous avez reçu le docteur Kenga Song, directeur du Centre africain de contrôle. Est-ce que Yom a la capacité pour Yambaye, tous les ministres de la Santé, tous les inerbés, je ne sais pas moi, est-ce que c'est vous, à vous de le recevoir, cette entrée-là, ce monsieur? Je ne comprends pas trop la question. Est-ce que le monsieur devait être reçu par une personne ou pas par d'autres, c'est ça? Non, est-ce que c'est avec vous qui devez parler, ou c'est à la poule scientifique, voilà. Bref, c'est pour savoir l'idée, au fait. Alors, l'entretien tourne autour de quoi, pour élever les compétences et tout ça. D'abord, mon rôle à moi, c'est quoi? Oui. Moi, j'ai un rôle qui est très simple, c'est celui de conseiller le chef de l'État dans la conception du système de santé. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut dire au chef de l'État, voici le Gotoko Sala, c'est moi. Parce que c'est mon rôle en tant que conseiller spécial. Donc, s'occuper le Gotoko Sala les matins, c'est encore vous, de Togoloba. Non, non, non. Okay. Je reprécise mon rôle. Mon rôle à moi, c'est de conseiller le chef de l'État, conseiller le chef de l'État pour dire, voici le Gotoko Sala. Maintenant, il y a un deuxième rôle. Quand le chef a décidé, il y a l'exécutif. Bino Sikoyo, ça c'est le ministère. Quand le chef de l'État parle, quand il fait son programme, c'est parce qu'à nous, il nous a dit, voici, et si quand on a dit, maintenant, vous, mes techniciens, dites-moi comment je le présente. Et nous, on va travailler. Docteur Kenga Song, qu'est-ce qu'il est? Il est le chef de CDC Afrique. Okay. CDC, c'est le centre de contrôle de maladies, qui permet en fait de suivre les épidémies, de suivre, de protéger les pays contre les épidémies et tout ça. Quel est le rôle de la task force? L'ordonnance présidentielle dit quoi? Le président l'a redit aujourd'hui, le discours naïf. Oui. Il a dit que Moussa Dabiso, il a évalué Bamakamounio Soana. Suivre, évaluer. Comment je vais évaluer sans parler avec les gens qui travaillent dans la protection des gens? Et ça l'a tourné. Donc, docteur Kenga Song m'a vu moi
mais il a vu le professeur Muyembe, mais il a vu les gens du ministère de la Santé. Il a vu beaucoup de gens. Mais à quel niveau vous intervenez directement? Alors moi, j'interviens avant que ça arrive au chef de l'État. Ah, moi, je dois savoir. Parce que quand le chef de l'État va parler avec le docteur Kengasong, quand il va parler avec le patron de l'OMS, quand il va se retourner pour me dire de quoi on parle. Voilà, moi j'interviens au niveau stratégique. Le ministre intervient au niveau de l'exécutif. Le professeur Muyembe, donc tout ce qui est service technique, intervient au niveau opérationnel. Donc il y a trois niveaux. Chacun doit rester à son niveau. Alors, docteur, une question difficile. Il n'y a pas de question difficile. Il y a parfois de mauvaises réponses, mais les questions ne sont jamais mauvaises. Merci beaucoup. Bah, mon photo n'a pas Bill Gates. Bill Gates, il a qualifié le vaccin. Ça veut dire qu'il y a une industrie qui est un vaccin. Et il y a un vaccin en Afrique, il y a un africain, on va dire ça comme ça. Et il y a un vaccin qui est un vaccin président côté Wana. Alors, la crainte, est-ce que docteur Kamba, a un président logique qui a dit ça est vaccin Wana? Parce que l'équipe, on se rend compte que docteur Jérôme, il y a qui contre Marambouya, il y a Fondation, il y a Bill Gates, depuis moi, Kala. Alors, finalement, ça crée un désordre dans la pensée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Okay. On va essayer de clarifier. Il y a un état brut. On va essayer de clarifier les choses. La photo de moi et Bill Gates a été prise en septembre 2019. Corona a quitté. Parce que Tokendaki na New York avec le président et Bill Gates a dit Ngaya Gutanana président et on s'est retrouvés na Tosali réunion Bill Gates le président et moi et il y avait deux ou trois autres collaborateurs. Maintenant, moi je suis pas membre de la fondation Gates. Bill Gates c'est un joueur global. Les joueurs globaux, ce sont des gens qui interviennent derrière beaucoup de structures. Vous ne savez pas, par exemple, que quand vous demandez un bon à la Banque mondiale, il y a beaucoup d'argent de Bill Gates que vous demandez. Quand vous demandez que OMS, ça c'est la Bissoboye, vous ne savez pas que bon, il y a Bill Gates à Zakuna. Je vais maintenant revenir un peu aux choses sérieuses. Je vais vous parler du Botswana. Au Botswana aujourd'hui, Botswana c'est un pays où il y avait 30 à 40% de sida. 30 à 40%. Donc, tu comptes 3 adultes sur 10, banane à sida. C'était vraiment énorme. Aujourd'hui, au Botswana, les enfants naissent sans sida. Bill Gates, parce que c'est la fondation Gates qui a beaucoup travaillé pour aider pour Sidawana et Sila. Les gens ne savent pas. Poliomyélite. Vous voyez poliomyélite? Oui. Oh, et tika bakoka. Bouka. Tosi li si bouka namboko. Et si li. Oh, il y a ce qu'on appelle poliomyélite sauvage. Et si li. Mais aussi, et si li avec le soutien de qui? Avec le soutien de Bill Gates. Et ce n'est pas moi qui dit ça qui, ou qui ai fait ça. C'est depuis des années. Rougeole, vaccin, tout ça, Nangwawa. Qui se bat pour que Bill Gates soit dans les... C'est la fondation Gates. Moi, je ne suis pas défenseur de Bill Gates, mais je vous redis juste ceci. Moutouana Azaï, informaticien. Leur maman a eu un couffin de cancer. Elle a décidé que, si Koyo a reçu un bon onaye, la santé. C'est comme ça qu'il a fait la fondation. La santé, si Koyo, comme c'est un joueur global, il s'est dit quels sont les éléments qui changent vraiment le cours des choses. Je ne vais pas intervenir pour des petites choses, je vais intervenir pour les choses globales. Et le vaccin, et c'est pas Bill Gates, c'est la médecine qui a inventé le vaccin, c'est pas Bill Gates. Le vaccin, c'est une des réponses globales. Comme je vous ai dit, Buka Buka Tosi Siango, avec vaccin. Le vaccin. Polio. Polio, c'est ça. Rougeole, il y a Banabiso Bazokoufa tous les jours. Ce sont des vaccins. Paludisme, le vaccin. Paludisme, on n'a pas trouvé. Parfois, il y a des maladies, on ne trouve pas. Sida, on n'a pas trouvé. Ça fait 40 ans que les gens cherchent, on n'a pas trouvé. Il y a des maladies pour lesquelles on trouve, des maladies pour lesquelles on ne trouve pas. Mais quand on trouve, Bill Gates soutient. Lui, il n'a pas un laboratoire de vaccins. Lui, il a l'argent. Et comme c'est un joueur global, il pousse ce qui, lui, pense être des réponses globales.
Donc ce n'est pas donc, que... Donc il n'est pas derrière les grosses industries pharmaceutiques voulant vendre les produits, voulant vendre les vaccins. Il n'est pas derrière ça. Je ne peux pas dire... Et si quand bon on a eu surtout les alliés. Je sais que bon on a eu une informatique. Tout le monde, beaucoup de bazol, tous les jours parce que ça Bill Gates Mbongo. Parce que quand tu achètes un ordinateur, on paye Mbongo. Quand tu achètes un logiciel, on paye Mbongo. Parce que ça est Mbongo tous les jours. Et ça c'est beaucoup plus d'argent que il y a vaccin. Mais je ne peux pas dire parce que je travaille pas chez lui. D'habitude si quand bon on a eu sur les alliés. Mais pour les vaccins, je viens de vous donner des exemples des maladies contre lesquelles. Maladie du sommeil. Bah, tu vas éviter. Il voit, par exemple, que c'est nos universités qui travaillent avec l'université d'Anvers pour négocier sa maladie du sommeil. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est la Fondation Gates qui paye ça. C'est pour vous montrer que c'est un panel très large. Mais si quand il y a opinion, il y a vaccin à Corona, il va imposer Bissot. Et Bill Gates serait derrière ça. Oui, Bill Gates serait derrière ça. Bill Gates n'est pas derrière le vaccin. Bill Gates est derrière le fonds qui vont dans tous les vaccins. Tous n'aura pas vaccin à Bélé. Et je peux vous assurer que tous les vaccins, depuis des années, Corona, depuis des années, c'est Bill Gates. Bah, tu vas y bakater. Je viens de dire, Bouka, c'est Bill Gates. Rougeole, c'est Bill Gates. Tout ça. Est-ce que le vaccin, c'est un bois Kango parce que Bill Gates est derrière? Mais le mouton, il y a un peu de temps, avant d'être là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de Moutouana boy vaccin, a boy magamba Bill Gates, alobi Bill Gates, ça, na katia ba réseau, wana ya mala ou mingite, ou ba benga ki écoute ba reprocha ki na ba, entre guillemets, ba sphère internationale. Mais yo, moutou benga ki se ou bin sa ki, yo approche na fondation Bill Gates, moutou benga sa ki, aza contre fondation Bill Gates. À un moment donné, on se dit, mais c'est, on comprend plus rien. Je vais préciser. Oui. Je ne suis pas proche de la fondation Gates. Je dis que Bill Gates soutient un système. Et dans ce système-là, le Congo est impliqué. Okay. Maintenant, quand le Congo est impliqué, nous devons, nous, pouvoir suivre. Et le chef de l'État m'a demandé de suivre. D'accord? Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose. S'il y a quelqu'un qui sait ce que la Fondation fait dans ce pays, s'il y a quelqu'un qui connaît la Fondation, c'est moi. Okay. Parce que moi, je suis parti voir la EBI Fondation. Je suis parti voir parce que comme je dois conseiller le chef, je dois voir. Je suis parti, j'ai vu. Je viens de vous dire que Botswana est ici là qui, grâce à soutien à Bill Gates. Je viens de vous dire que Bouka ici, Namboka Nabiso. Voilà ton compte. Bon. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît ça, c'est moi. Peut-être que Jérôme Mounianga a aussi une connaissance, mais je ne connais pas l'étendue de sa connaissance. Et je ne vais pas polémiquer sur ça. Donc, moi, je ne soutiens pas la fondation et je ne dis pas que Dr. Mounianga est contre ou pour parce que je ne connais pas ce qu'il a vraiment dit. Ce que je peux dire, c'est que il faut avoir l'humilité de dire ce dossier n'est bien goûté. Tant que je ne connais pas, je dis ce qu'on n'est pas. Très bien. Alors, docteur, je rappelle que dans le docteur Jérôme Mounianga, Kalamingite, donc ça, on a une émission, à propos de ces éléments, donc nous avons une source pour nous clarifier, nous avons donné une source pour toucher le secteur. Nous avons célébré la journée internationale de la couverture universelle. Cette couverture chez nous est prise dans la dimension Misato, Topé, Toucha Misato. Accessibilité physique, accessibilité financière, na accessibilité où ça fonctionne à volonté à bateau et utiliser ma service là. Pouvez-vous nous expliquer exactement contour y a couverture médicale universelle médicale bateau belé balingrabaï exactement exactement na moké pe na mokusé. Alors ça c'est une bonne question parce que c'est quand même mon travail de tous les jours. Corona c'est un phénomène je pense qui va passer mais mon travail de tous les jours c'est celui-là. La couverture santé universelle, c'est très simple. Toboi mukolo beli, mukolo Christian Bosembe Zobela, abandon Lukambongo. Oh, docteur Roger, talanga Lukamboyo. Yango de Toboi. Toboi mukolo zo beli, ok, na hôpital, okuti munganga zate. Okuti radio ezate. Okuti laboratoire ezate. Toboi que na système de la santé, ba maladie ya kakaka. En ayant dit ça, j'ai dit les trois choses. Premièrement, la qualité des soins. Quand vous arrivez aux soins, il faut que vous trouviez des soins adaptés de bonne qualité. Ça, c'est la première condition. C'est-à-dire qu'il faut infrastructure, ils allaient bien. Il faut laboratoire, ils allaient bien. Il faut radiologie, ils allaient bien. Il faut que le médecin qui soigne soit bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la protection financière. Il ne faut pas que le jour où tu tombes malade, c'est ce jour-là que tu commences à te demander comment je paye. Il ne faut pas que parce qu'au Béli, au Tekindaku, au Simbisi, tout ça. Ça, c'est la protection financière qui est le deuxième pilier.
Le troisième pilier, Toboi, Bamadeya Kakaka, ça veut dire que ce qu'on appelle la santé dans toutes les politiques. C'est-à-dire que Makambwebele est à santé et Zana Ministère est à santé. Un précieux exemple. Baccident est en circulation. Mais Makambwebele est à l'hôpital. Mais Zana Santé. Mais Makambo est à transport et Zana Ministère est à transport. C'est tout ça, Bilo Tozolia. Bilo Tozolia. Et Zana Ministère Moussous. Bamaï Tozo, malade. L'assainissement, ce n'est pas le ministère de la Santé. Fouta Tozo Pakola. Voilà. Et tout ça, c'est le système de santé, mais ça n'appartient pas au ministère de la Santé. Ce sont les trois piliers de la couverture santé universelle. Donc, je répète, la qualité des soins, les soins de qualité, accessibles sans qu'on devienne pauvre, sans qu'on souffre financièrement, et la protection pour éviter que les maladies ne continuent de venir. Maintenant, là-dessus, il y a la gouvernance, il y a d'autres choses. C'est en gros ça. Est-ce que vous avez les moyens, docteur? Est-ce que vous avez les moyens pour mener cette politique? Sinon, ça restera des belles idées. Non, ce ne sont pas... Alors, ça, c'est vraiment... La question à 100 dollars. Est-ce qu'on a les moyens? Oui. C'est l'inverse. Avons-nous le moyen de faire ce que nous faisons aujourd'hui? Non. Un Français qui tombe malade, est-ce que à quoi qu'il tombe dans l'hôpital, bah, c'est bien bon. Un Français, au combien de bah, il paye 6 000 dollars, un Français. Un Français, moi, il ne peut pas. Adam Dangote. Pourquoi un Congolais à qui est dans l'hôpital, bah, c'est bien. Ça montre que ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de où est-ce qu'on met l'argent. La couverture universelle, c'est de dire il faut que l'État organise. Parce que, Oyebi, que les Loawa, les soins de santé au Congo sont plus chers qu'aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que tu as un moyen? Tu as un moyen, t'es. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Si on organise la solidarité nationale, on a les moyens. On vous accuse d'avoir volé un projet de mutuelle. Même mutuelle, il y a bateau, il y a une commission, il y a une commission, il y a une. Expliquez-nous cette histoire de mutuelle, de une mutualité au salaire, tout ça. Comment il y a une mutuelle? Parce qu'il y a des mutuelles partout. Oui. Mutuelle, Mouto, il y a une salaire mutuelle, la salaire mutuelle, il y a. Personne ne peut dire qu'il y a une mutuelle, il y a une gaille. Dans ces pays ici, on ouvre des mutuelles tous les jours. Ah, en quoi consiste la yo? En quoi consiste la yo, Mongo? Moi, je n'ai pas de mutuelle. Ah non, 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 moi, je n'ai pas de mutuelle. Moi, je construis le système de santé. D'accord. Je viens de dire que le système de santé a trois choses. La qualité de l'offre de soins, la protection financière et la prévention, donc la santé dans tous les systèmes. Maintenant, le pilier du milieu, la protection financière, c'est là-dedans qu'on trouve les assurances maladies. Okay. C'est là-dedans qu'on trouve les mutuelles. C'est là-dedans qu'on trouve les fonds de l'État pour les indigents. C'est là-dedans. Alors, donc, il y a trois choses dans la protection financière. Il y a les assurances maladies, que nous sommes en train d'essayer d'organiser ici. Il y a les mutuelles. Les mutuelles, c'est... Comment? Vous vous entendez dans le quartier Nabino, Biso, Tocha, Gambon, Nabiso. C'est libre. Moutako, le bateau, il y a une salle mutuelle Nangaï. C'est une salle mutuelle Nangaï. Vous avez vu, Christian, est-ce que vous avez une mutuelle Nangaï? Aucun dit, mais au boya. Parce que ce n'est pas obligatoire. Et chacun peut faire, on peut faire autant de mutuelles qu'on veut. Ce n'est pas idée à Moutou. La mutuelle, il y a des idées à Moutou. Tout ce qui est mutuelle à Moutou, il y a des idées à Moutou. Pour vendre au Canada, aux États-Unis, aux France, ce qui est canadien à Béli, ça l'a ramené. Ce qui est américain à Béli, un américain moyen à Béli, canadien moyen à Béli, ça l'a ramené. Et puis, ce autre, il y a ça l'a ramené pour que ils aient la réelle, ils aient la vraie, ils aient la carrière absolue. Christian, je vais vous montrer en quoi, pourquoi je dis que. Vraiment, c'est juste une question d'organisation. Okay. Nous avons Mokomoko de Fandaki avec Dr Moeti. Dr Moeti, c'est la patronne de l'OMS Afrique, qui est à Brazzaville, qui me dit, Dr Kamba, c'est difficile de faire la couverture maladie universelle ici. Le pays est trop grand et il y a trop de gens. Okay. Je lui ai dit, Dr Moeti, ce que vous pensez être un problème, là, c'est ça pour moi la solution même. Et je vais vous montrer pourquoi. Prenons que tu as 80 millions. Tout le monde a indigent, bah tout le monde a coco, canabango, rien. Tout le monde a 40 millions, la moitié. Tout le monde a libango. Maintenant, sur les 40 qui restent, on dit donner 1 dollar par mois. Bah tout le monde a coco, canabango. Bah tout le monde a mis la bière, bah le téléphone. Tout le monde a 1 dollar par mois. Oye bi bah ouais, oh tout le monde a mis la mutuelle na bango. Oye bi bah ouais, combien ils cotisent tous les jours pour leur versement? Ils cotisent entre 15 et 20 000 francs. Donc, pratiquement 10 dollars. Les Wewa. Par jour. Et puis, c'est toi, Louis Boy. Zouakaka, 1 dollar par mois.
1 dollar. Si vous avez 40 millions, vous avez 1 dollar, ça fait combien? Je ne suis pas très fort en calcul. Ça fait 40 millions. Okay. C'est 1 dollar. On est à 40 millions, ça fait 40 millions. Dans une année, ça fait 480 millions, presque un demi-milliard de dollars que l'on peut mettre dans le système de santé en, prenant, en organisant la solidarité. Seulement 1 dollar par mois. Et ça, je pense que Christian, Pembe Inayo Batutu, ceux qui ne sont pas les indigents. On aimerait le faire. Mais oui. Moi, Toulouse, la même, on a vu ma famille. Toulouse, la même. Alors pourquoi les gens ont peur et croient que c'est un problème? C'est difficile à faire. Traçabilité, docteur. Oui, mais la traçabilité, ça, c'est la gouvernance. Tu fous un bon vignette, tu vas pas laver les bons gâtés. Oui. Tu fous un bébé, tu fous un snell, combien de la gamme. Alors maintenant, dans la couverture santé universelle, comment on résout ce problème? Exactement. Vous avez répondu à la première fois, mais je répète encore. Oui. Dans notre pays, une des choses qu'on doit faire, c'est d'éviter que la décision humaine soit la chose la plus prépondérante. Il faut transférer une partie de la décision aux machines. C'est-à-dire quoi? À tout ce qui est digital. Ce qui, Christian Bossem, dans un hôpital, a PC carte, il va repérer que ça y est, va soigner, il y a un. Mais à une carte, il y a un PC carte, on va dire non, ce n'est pas toi, ça c'est Christian. On va diminuer la corruption. La corruption. Pareil quand on prend les taxes. Pareil quand on reçoit de l'argent des gens. Il faut qu'il y ait la traçabilité. Mais la traçabilité, il ne faut pas juste sur la bonne foi des gens. Il faut passer... Le Sénégal l'a fait. Hein. A réduit la corruption de 60 à 80%. Le Sénégal. Donc, nous pouvons le faire. Ce n'est pas une question... Ce n'est pas une fatalité. Est-ce que le président est au courant de tout ça? Le président est au courant. Mais pourquoi on n'agit pas tout de suite? Alors, le président est au courant. Pourquoi on n'agit pas tout de suite? Il y a deux questions là-dedans. Ouais. Est-ce qu'on sait le faire? Oui, on sait le faire. Est-ce qu'on peut agir? Oui, mais vous savez pourquoi est-ce qu'on est dans la crise actuelle? Oui. Parce que le président a vu que les gens d'en face ne voulaient pas qu'on avance. Les gens, nos amis de la coalition, ils bloquaient tous les projets. Nous, la task force. Non, mais ça, ce n'est pas la task force. La santé. Ils ont bloqué la santé en faisant quoi? C'est le ministre du président. Oui, mais qui finance? Qui paye l'argent? Ah, d'accord. Je peux venir et dire, monsieur le président, mettez l'argent pour qu'on construise Mama Emo. C'est 120 à 150 millions de dollars. Mais c'est qui doit payer? C'est le ministre des Finances. D'accord, on comprend. Okay. Donc, c'est pour ça que le président a tapé du poing sur la table. Il a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous, Christian, président à lobby, Kissaloumé Banda. Le travail commence. Je vous assure que si on n'a pas des blocages, parce que ce que je vous dis là, ce n'est pas compliqué. Je vous dis, si on prend un dollar à un Congolais, vous pensez que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Chacun a un téléphone. Il suffit de voir avec les sociétés des compagnies de téléphone en disant, on va prélever un téléphone, un dollar par mois, on ne va même pas... C'est pas compliqué. On ne sentira même pas. Vous ne sentirez pas ça. Vous ne sentirez pas ça. Oui. Mais maintenant, il faut que ce soit dans une banque, dans une structure pour la couverture santé universelle. Là, on sait que cet argent permet de construire les hôpitaux et de payer les soins. C'est pas compliqué à faire. Oui, mais quand on voit toute la chaîne, il y a vous, il y a le ministre de la Santé, il y a les conseillers en matière de santé, ça, finalement, ça fait... Est-ce que ça ne fait pas beaucoup d'ordre en même temps? Non. Okay. Je viens de vous dire ici qu'il y a trois niveaux. Il y a un niveau stratégique où nous sommes pour concevoir, dire au président, voici ce qu'il faut faire. Il y a un niveau exécutif qui est le niveau du gouvernement. Et puis il y a un niveau opérationnel où tous les services qui sont attachés. Ce n'est pas beaucoup d'ordre. Les choses sont très simples, très claires. Moi, je conçois les choses, je dis au président, voici le chemin qu'on doit aller. Le président appelle le ministre de la Santé, voici, il faut faire ça. Le ministre de la Santé utilise les services techniques pour le faire. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi ont la même approche sur la question de la santé? Pardon, sinon, différence, c'est ça. Pardon, t'es le bon. 18 ans, vos autres n'abuso, c'est une différence, c'est ça. Mais des ans, peut-être, on a tes tissus, hein. Ah, je viens de vous dire que toi aussi, Ebola, ton côté, yoga. Tout le monde le bien, promis que aux autres le bien, aux autres tiens, baramoutou bien. Mais dans la pratique, il y a des problèmes. Je prends un exemple précis. Tous à Ebola. Ebola, il y a Kabila, il n'est pas encore. Il y a Kabila, ton côté, en oui. Ça fait 2 ans. Ebola n'a bisso, oh yé, écoute, bisso, il s'allait combien? Il s'allait 6 mois. Mais dans les morotés. Comment ça, les dingues morotés? Dans les dingues résistants, tout ça. Est-ce que vous savez que c'est la 11e épidémie d'Ebola? Donc, la résistance s'est acquittée. Et puis, ce n'est pas le même virus, donc ça ne donne pas la raison. Non, c'est pour vous montrer que vous ne pouvez pas comparer Félix Tshisekedi avec Kabila. Oui, mais c'est quoi la différence? Dites-nous, différence d'approche, Zanine. Mais je viens de comment ils conçoivent les deux, les choses? Alors, différence d'approche. Pour la santé, pour ce que je connais bien, Kabila est resté 18 ans. Il est resté dans le même système, c'est-à-dire le médecin, l'hôpital, le malade. Nous, on vient de dire non, on ne fait pas le médecin, l'hôpital, le malade. On fait une couverture
qui prend l'homme congolais au centre. C'est-à-dire qu'on se pose la question, motards, par exemple les motards, là, ce qu'on est en train de travailler pour faire, c'est que pourquoi les motards viennent à l'hôpital? Parce qu'ils ont un bras cassé, parce qu'ils ont une fracture du crâne. Pourquoi Nambokoyo, bêtement, pourquoi les motards n'ont pas de casque? Tout simplement. On ne comprendra jamais. Ils ont leur propre code de la route. Eux, ils ont leur propre code de la route. Mais tout le monde dans son secteur... C'est des vrais immortels. Tout le monde dans son secteur a son propre code de la route. Parce que Kabila n'a rien fait en 18 ans. Nous sommes arrivés. Malheureusement, Corona a ralenti un peu les choses. Mais je viens de vous donner des exemples très précis de ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai dit que pour la couverture santé universelle, les choses sont prêtes. Est-ce que vous savez que nous avons déjà, il y a une société où ils sont en train d'étudier déjà tout le sol parce qu'on veut reconstruire Mamayemo. Ah, vous voulez reconstruire? Complètement. Détruire tout ça. Mais Mamayemo a été construit en 1914, à Tayomoko. Combien? 100 ans. 100 ans déjà. Mamayemo a 100 ans. Mais ce n'est pas possible cette histoire. Mamayemo a 100 ans. C'est quoi? Vous imaginez bien que la canalisation est dingue. Vous imaginez bien que Basinga est dingue. Vous allez bricoler quoi là? Et donc vous voulez tout refaire, reconstruire. Vous savez combien ça coûte? Combien? 120 millions de dollars. Seulement? Seulement. Mais pourquoi on nous a dit 400 millions, 500 millions, 700 millions? Mais à l'époque de Kabila, c'était ça les chiffres. Je vous dis que vous voyez, moi, c'est 120 millions de dollars. Est-ce que vous pensez que dans ce pays, il n'y a pas 120 millions de dollars? Vous ne pensez pas que Mibi Moussous va donner 120 millions de dollars? Construire Mamayemo, c'est 120 millions de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les vrais chiffres. Ça, c'est construire les bâtiments ou l'équipement complètement? Mamayemo neuf, c'est-à-dire de A à Z, Bossilici, Moutoyer, Bassoigné, 120 millions de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis. Avec une capacité d'accueil à combien? De 2000 lits. 2000 lits, mais on est 12 millions d'habitants. Non, j'ai parlé de Mamayemo. Ah. Je n'ai pas parlé de tous les hôpitaux. Ah, je donne l'exemple de Mamayemo. Je dis, Mamayemo, vous savez, on ne doit pas nécessairement penser que plus on a de lits, mieux c'est. On doit penser que plus on est efficace, mieux c'est. Il faut empêcher que les gens arrivent au lit. C'est tout le système de santé que nous sommes en train de reconstruire. Oui. Ça a été détruit pendant... Il n'y a pas un hôpital public construit depuis 60 ans. Non, il y a l'hôpital privé de Mobutu, le Cap des... Pourquoi on a la vie publique et la vie privée? Ah, ok, mais moi, si y a un président de la République, il y a qu'à la salle d'hôpital, il y a un grand moment pour ouvrir l'hôpital. Est-ce que vous trouvez normal que des gens gèrent un pays pendant 60 ans sans construire un seul hôpital public? 18 ans, vous savez, l'hôpital public à Tamorote. Comment vous pouvez dire, comparer Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, il n'a pas encore 2 ans. Docteur Tros, c'est la binopé, hein? Mais bon, c'est la bisou. Mais moi, Tolingi, Tommy Longola, la bâton, Moussouso, Balingba, Ben, d'habitude, on a 6 mois. Oui, tout le monde, il y en a 3 ans. Oui, mais on va faire. Tota Soboussani, il y en a 3 ans. Là. Mais encore une fois, il faut que les Congolais évoluent eux-mêmes. Le président crée un cadre. Mais c'est dans ce cadre-là, maintenant, le dynamisme de la jeunesse, le dynamisme de la société doit prendre le pas. Je vous donne un exemple. Bakati Internet, c'était. Banda Toyaki Bossi, ça fait 2 ans, Bakati. Bakati Internet. Oui, oui, oui. Mais donc, on crée un cadre. Mais dans ce cadre-là, ceux qui travaillent dans le digital créent leur truc. Ils ne sont plus empêchés. Donc, le président, ce n'est pas juste faire telle chose, c'est aussi et surtout créer l'environnement propice pour le développement. Le développement ne vient pas de l'État. Le développement vient du dynamisme de la société. L'État doit créer les conditions pour que ce dynamisme-là s'exprime. Dans tout le monde, ton succès, en gros. Il y a qui en médecine traditionnelle. Ouais. Est-ce que vous pensez au Congo, topé aux moins un œil regardant sur médecine, ou sur ces génies-là, sur cette intelligence-là, comment le niveau n'a eu, ou avali l'œil ou les oreilles du chef de l'État, la question aux autres termes. Oui, bien. Ce que vous avez dans le discours du chef de l'État, il faut que vous puissiez repérer conseiller à l'obini, conseiller à l'obini. Quand le chef de l'État dit que nous cherchons des solutions locales. Ça veut dire que, Toto Salamoussa, Sima, pour éviter chef, ah ouais, il faut tout avoir une solution locale. Dans notre pharmacopée traditionnelle, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Et moi, en tant que scientifique, c'est la première chose que je dois reconnaître. Je vais vous donner un exemple précis d'un médicament qui est très utilisé en cardiologie, qui s'appelle la digoxine. C'est un médicament pour le cœur. Ce médicament a été découvert en Irlande. Kokomoko a côté Kabar. Et chaque fois, ceux qui m'ont trouvé la montée, ma coco, on appelle ça matiti. Et puis, les scientifiques se sont rendus compte en regardant, ben non, il y a la digoxine là-dedans. Et c'est ça qui est le médicament de référence de la maladie du cœur.
Donc, en fait, il y a beaucoup de solutions là-dedans. Alors, la façon de le faire, c'est de ramener ça au niveau de nos pharmacopées étudiées par nos chercheurs. Parce que le problème, c'est que, mais quand tu regardes, les solutions sont très différentes. Parce qu'il faut nous sauver, docteur. Ça tue beaucoup. Les tradis praticiens connaissent tout. Et ça soigne toutes les maladies. Ils sont un bon gars, tout ça. Et c'est tout. C'est pour ça qu'on a besoin des chercheurs. Oui. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on prend le risque de faire venir des chercheurs? Parce qu'on s'est dit, allez regarder là-dedans. Il y a sûrement des choses qui peuvent nous aider. On ne peut pas tourner le dos à la médecine traditionnelle. Parce que c'est là-dedans qu'il y a des solutions. Sauf qu'il faut ramener ça sur un fonctionnement raisonné où on peut tirer des vraies leçons, des vraies conséquences que l'on peut généraliser après. Donc, il n'y aura pas, vous n'excluez pas ces gens-là. Ils ne doivent pas se sentir exclus. Mais non. Parce qu'ils n'ont pas fait la médecine, parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Vous ne les excluez pas. Non, mais un scientifique qui exclut, c'est un scientifique bête. Parce qu'un vrai scientifique écoute tout le monde parce qu'il apprend. On apprend en écoutant, on n'apprend pas en parlant. Moi, tout ce que je vous dis là, je le sais. Mais si je veux apprendre, il faut que je vous écoute. Donc, on n'apprend pas en parlant. Et donc, des vrais scientifiques écoutent. Vous savez, un scientifique, quand il lit beaucoup de livres, il se rend compte qu'il ne sait pas. Il cherche encore un autre livre. Parce qu'il y a Yébi. Et donc, ce n'est pas bon. Donc, nous, on ne peut pas exclure les tradis praticiens parce que c'est eux qui ont des solutions, parfois, qui sont des solutions tellement révolutionnaires. Mais il faut aussi les encadrer, il faut encadrer cette histoire parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Il faut voir à la télévision, ils connaissent tout sauf dans tout. Oh. Ils sont dans les tout ce qu'ils connaissent dans les sexes en tout cas. Oh et Salagaboué, Sonyakaboué, Kenagaboué. Et malheureusement, c'est les jeunes qui prennent ça parce qu'ils sont corrompus dans Moutou. On leur a dit que Salagabilo, Komoroboué. Et beaucoup de jeunes, je me pose la question, est-ce que dans 15 ans, nous allons maîtriser la santé de nos jeunes garçons aujourd'hui qui ont 16, 17, 19, dans l'euphorie de toutes ces vertus imaginaires? Oui, mais ça, c'est une question de société. Hein. C'est une vraie question de société. C'est une question qui a quand même des réponses médicales. Ouais. Parce que vous parlez de ça, il y a des produits qu'on a découverts. Mais c'est toujours, en médecine, on souvent découvre par hasard, hein, en faisant quelque chose. Tiens, ça, il y a des produits aujourd'hui qui prennent en charge des gens qui ont des vrais problèmes de santé sexuelle. Mais ces gens-là, il faut aussi les suivre sérieusement. Ouais. Ce n'est pas de consommation abusive. Toutes les consommations abusives sont toujours mauvaises. Prenez en Occident, beaucoup de gens meurent en prenant des drogues. Parce que ça ouvre l'esprit, ça fait ceci, mais après ils meurent. Mais chez nous aussi, toutes les consommations non contrôlées, c'est des vrais risques de santé publique. Alors, on a terminé cet entretien, docteur Kamba. C'était un grand plaisir pour moi. Les gens vont m'en vouloir si je ne vous pose pas cette question de ce que les chefs de l'État pensent de la santé au niveau national. On a comme l'impression que tous vos efforts sont concentrés à Kinshasa seulement. Est-ce que vous avez aussi une idée sur ceux qui vivent dans les provinces, dans l'arrière-pays, ces femmes qui font des kilomètres pour aller mettre au monde, ou finalement, il y en a qui mettent au monde en route, dans des conditions assez désastreuses? Je vous ai dit au tout début que l'étude, par exemple, qu'on a fait au niveau de la task force sur la mortalité, on l'a fait à Kinshasa. Maintenant, on vient de l'étendre à Lubumbashi, à Goma, à tout ça. Non, je parle de cette étude-là. Je parle de cette étude-là. Oui, je parle de cette étude-là. Mais je vous ai dit aussi que le taux de mortalité dans notre pays, mortalité mère-enfant, alors que nos mamans accouchent dans les centres, je n'ai pas dit dans les hôpitaux nécessairement, mais même dans les petits centres, on a plus de 80% de mamans. Notre société est rurale. Les gens accouchent dans les centres. Et donc, quand ils accouchent dans les centres, eh bien, on a quand même un taux de mortalité très élevé chez ces personnes-là. Et c'est d'eux qu'on s'occupe. La population congolaise est à 60% rurale. 60%. Et donc, ça veut dire que tous ces gens-là, c'est eux qui déterminent les fameux facteurs, les données dont vous parlez là, qui permettent de dire on évalue la santé. Dans la couverture santé universelle, il y a trois niveaux d'intervention au niveau de l'amélioration de l'offre de soins. Il y a les soins de santé primaire, c'est-à-dire qu'on permet à toutes ces personnes qui sont dans les milieux ruraux de résoudre leurs problèmes. Une maman qui accouche doit accoucher quand même. Mais que ce soit un vrai lit d'accouchement. L'enfant qui a fait le paludisme là-bas, il faut qu'il soit traité. L'enfant qui manque de sang là-bas, il faut qu'il soit transfusé. Et donc, dans notre programme, par exemple, là,
Les gens ne le savent pas, mais vous allez voir. C'est pour ça que je dis, Batik, la vie, va comprendre. On va voir. Va comprendre. Là, par exemple, on sait qu'on va mettre un hôpital de 50 lits dans les 145 territoires. Et vous savez combien ça coûte, ça? Combien? Ça, l'hôpital coûte 2,5 millions de dollars. Un hôpital. Un hôpital. 2,5 millions. 2,5 millions de dollars. Okay, 50 lits avec tout ce que vous voulez. Hein, labo, tout ce que vous voulez. Ça, vous voyez que, en fait, dans ce pays, on brûle l'argent pour rien. Il en faut combien? Je viens de dire, si on met dans chaque territoire, on a 145 territoires. OK. Ça ne fait même pas 400 millions de dollars. OK. Et là, on a un hôpital de très bon niveau dans chaque territoire. Très bien. Et puis, on aura réglé les autres, comme vous l'appelez souvent, les déterminants de la santé. Les déterminants de la santé. Il y aura des routes, il y aura bien d'autres choses. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez comment le Pérou a résolu le problème de mortalité mère-enfant? Ils ont fait des routes de desserte agricole. Parce qu'ils se sont rendus compte que les mamans n'arrivaient pas à l'hôpital par manque de routes. Okay. Et or ça, les routes de desserte agricole, ce n'est pas des routes à 1 million de dollars le kilomètre. Hein. C'est des routes vraiment qui ne coûtent pas cher. Mmh. Donc franchement, dans ce pays, ce qui a manqué, c'est le travail. Et la volonté? Voilà, les deux choses là. Okay. On a une vision, on veut le faire et on le fait. C'est ça qui a manqué. Et vous pensez qu'il est facile, ça? Il est béton. Hein. Il est béton pour de vrai. On nous a dit qu'on a trouvé la formule de dissolution du béton. Ceux qui ont dit ça, ils sont où aujourd'hui? Merci beaucoup, docteur Roger Kamba. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président en matière de la couverture médicale. J'ai toujours du mal à prononcer. Couverture santé universelle. Très bien. Et vous êtes aussi, je vais dire, son œil, vous êtes ses oreilles sur la question de la santé. Vous êtes le coordonnateur de Task Force. Et donc voilà, ce qui vous permet de répondre à toutes nos questions. Oui. Même si elles reviennent mille fois, vous allez toujours répondre parce que c'est votre travail. Il n'y a pas de problème. Et surtout, par exemple, pour le coronavirus, on n'a pas abordé le volet socio-économique parce que ça a entraîné beaucoup de dégâts. Oui. On aurait pu, mais peut-être une autre émission. Je crois qu'on reviendra sur notre émission, surtout sur les infrastructures de la santé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé beaucoup de questions, qui m'ont envoyé des tas de questions. Et je crois que je vais vous le transmettre. Il n'y a pas de problème. On réfléchira. Mesdames et messieurs, si vous avez certainement aimé cette émission, eh bien, ou alors vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, oui, envoyez toutes vos questions, surtout les médecins, envoyez des questions sur les vraies problématiques. Le docteur Kamba aime les débats, il aime les échanges. Envoyez vos questions, je les transmettrai et on verra dans quelle mesure on pourra répondre à toutes ces questions-là parce qu'il s'agit de notre pays. Merci d'avoir été nombreux, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RLC. Loye Molonde Nelalisa.